direct et en visioconférence autour de l'encyclique du pape François Fratelli Tutti, encyclique qui est donc sortie récemment, signée le 3 octobre dernier, pour en parler avec nous ce soir, trois intervenants, Véronique Fayet, présidente du Secours catholique, Michel Sarah, entrepreneur, et le père Arnaud de Vaujuas, et puis donc une soirée organisée par l'Institut Péberlan, l'Institut diocésain de formation du diocèse de Bordeaux. Je passe tout de suite la parole à Mgr Levert. Mgr Jean-Marie Levert, vous êtes responsable de l'Institut Péberlan. Pourquoi avoir voulu organiser si rapidement une table ronde et pourquoi avec ces intervenants que je viens de citer? Oui, bonsoir à tous. Bienvenue sur cette visioconférence, cette soirée que nous allons passer ensemble. La nouvelle encyclique du pape François est une encyclique extrêmement riche. Et il nous paraissait tout à fait important que nous puissions organiser une soirée sur ce nouveau texte. C'est une encyclique sociale qui nous montre la beauté et l'importance de la fraternité dans notre vie humaine, dans notre vie personnelle, mais aussi dans notre vie en société, dans notre vie communautaire. Une fraternité que tous réclament, que tous désirent, et en même temps une fraternité bien mise à mal aujourd'hui dans nos sociétés, nous semble-t-il. Pour en parler avec nous ce soir, j'ai effectivement sollicité trois personnes. Tout d'abord, Madame Véronique Fayet, qui est la présidente nationale du Secours catholique. Pourquoi lui avoir demandé d'être avec nous? Bien parce que le pape fait un très grand lien dans son encyclique entre la fraternité et les plus pauvres, les plus démunis, les plus petits. À la fois parce que le fait de s'en préoccuper, d'être avec eux, de monter les choses avec eux, est un vrai lieu de fraternité, mais aussi parce que le fait de ne pas se préoccuper des plus petits est aussi une des causes de la perte de la fraternité dans notre société. Avec nous également M. Michel Sarah, qui est chef d'entreprise sur Bordeaux, entrepreneur. Pourquoi lui avoir demandé? Eh bien parce que la fraternité n'est pas un simple concept. Le pape va très loin dans son texte, il en montre toute la portée. La fraternité a des répercussions, on va dire, politiques, dans la vie économique, professionnelle. Elle a un impact social. Il était donc tout à fait important d'entendre ce qui peut nous en être dit par un acteur de la vie économique et sociale, au plus proche, lui aussi, du terrain. Et enfin, le père Arnaud de Vaujuas, qui est prêtre diocésain. Cette encyclique, je vous l'ai dit, c'est une encyclique sociale. Elle enrichit certainement, en quelque sorte, la pensée sociale de l'Église, qui date de plusieurs décennies. Et le père Arnaud de Vaujuas, c'est un spécialiste, dirons-nous, de la pensée sociale de l'Église. Il l'a enseigné, il l'enseigne depuis de nombreuses années. Et donc, il nous montrera certainement aussi ce qu'il y a de nouveau, d'original dans ce texte du pape François. Voilà, mais sans plus attendre, je rends la parole à Jean-Michel pour qu'il nous lance dans notre soirée. Merci, merci Père. Et donc, à tout à l'heure pour reprendre avec nous un peu les conclusions de cette soirée. Nous en avons pour 45 minutes, 50 minutes avec vous trois, mais je le dis tout de suite pour ceux qui nous suivent sur Internet, rendez-vous donc sur le site institutpéberlan.fr et sur ce site, vous pourrez trouver un petit onglet pour poser vos questions et nous reprendrons donc d'ici 45 minutes, 50 minutes, les questions que vous aurez pour approfondir les différents thèmes évoqués autour de cette encyclique. Je n'ai pas donné le sous-titre, mais Cette encyclique Fratelli Tutti, donc les deux premiers mots de l'encyclique, une expression de saint François, mais porte, c'est comme ça que l'a utilisé le pape François, sur la fraternité et l'amitié sociale. Donc on reviendra effectivement sur ces deux termes, comment les papes les envisagent et ce qu'ils donnent à ce qu'il appelle l'Église à vivre. Pour commencer ce premier tour de table, peut-être démarrer l'un après l'autre, on va commencer par vous, Véronique, sur... À la première lecture de cette encyclique, quand elle est sortie, qu'est-ce qui vous a interpellé, que vous avez trouvé fondamental, notamment au regard de votre engagement? Alors, bonjour à tous, bonjour chers amis bordelais, je suis contente d'être avec vous ce soir et merci au Père Levert de son invitation.
À la première lecture, donc dès le week-end où l'encyclique est sortie, j'ai été un peu surprise par l'allusion, dès le premier chapitre, dès les premières pages, à l'amitié du pape avec le grand imam El Tayeb. Je me dis, tiens. Et puis, à plusieurs reprises, il y fait allusion. Je me dis, ah, il aime bien nous provoquer. Ça arrivait dans le contexte où on a vécu en France des attentats extrêmement douloureux et violents, où dans le monde entier, le dialogue avec l'islam est compliqué. On dit, tiens, le pape nous envoie un signal, là, il a envie de nous provoquer à aller plus loin. Et c'est vrai qu'on comprend mieux en lisant le chapitre 6 qui s'appelle précisément « Dialogue et amitié sociale ». Alors, bon, toute l'encyclique est un petit bijou, hein, voilà, il y a des trésors à chaque paragraphe, mais celui-là est particulièrement beau sur le dialogue et l'amitié sociale. Il commence par une définition très belle du dialogue. Hein, le dialogue, ce n'est pas juste se parler, c'est donc le début du chapitre, se rapprocher, s'exprimer, s'écouter, se regarder, se connaître, essayer de se comprendre, chercher des points de contact. Tout cela se résume dans le verbe dialoguer. Voilà, donc il nous invite à un dialogue approfondi, un dialogue entre les différentes cultures au sein d'un même peuple, puisqu'il évoque beaucoup la notion de peuple, entre les cultures économiques, les cultures artistiques, les cultures techniques, dialogue entre les jeunes et les vieux, entre les pauvres et les riches, etc. Et il approfondit beaucoup cette notion de dialogue. En expliquant après, plus il avance dans le chapitre, en expliquant que pour lui, c'est la culture de la rencontre. Il nous a déjà parlé de la culture de la rencontre dans Evangelii Gaudium ou même dans Laudato Si aussi. Et ça, c'est quelque chose qui rejoint beaucoup le secours catholique parce que c'est quelque chose que l'on vit, que l'on pratique, parce qu'on sait que c'est là qu'est la fécondité de notre travail, c'est dans la rencontre avec les gens qui sont différents de nous. Alors la rencontre, c'est un style de vie, nous dit le pape. Ça doit être un style de vie dans son idée pour tout un peuple, pour toute une nation à l'échelle du monde, bien entendu. Alors on commence par essayer de le pratiquer modestement, par exemple, à l'échelle du secours catholique, mais ça pourrait se vivre aussi à l'échelle d'une paroisse. Donc, ça veut dire avoir un style de vie qui fait que je cherche celui qui est différent de moi. Je cherche ce qu'il va m'apporter. Je cherche celui qui a un autre point de vue que le mien. Je cherche des points de rencontre, je cherche à faire des ponts, à faire des liens. Voilà. Et donc, c'est toute cette culture de la rencontre qui nous met en mouvement et qui nous fait rencontrer des personnes. Et je fais le lien avec le chapitre 2, dans lequel il y a un très beau commentaire du bon samaritain, peut-être que le père de Vaugeois reviendra dessus, mais juste un mot, quand je ne sais plus si les docteurs de la loi ou les pharisiens, enfin bon, demandent à Jésus, c'est le samaritain tout simplement, qui demande à Jésus, mais qui est mon prochain ? Et Jésus ne lui répond pas en lui disant ce sont les pauvres, les migrants, les étrangers, les boiteux. Jésus ne parle pas d'une catégorie sociale, une catégorie morale. Il invite à une rencontre. Il dit c'est une personne. Voilà. Tu te fais proche d'une personne et il devient ton prochain. Eh bien, la culture de la rencontre, c'est rencontrer non plus en France des migrants, des SDF, des pauvres, mais avoir le courage de dire bonjour, de demander le prénom, de faire un petit bout de chemin avec une personne pour sortir d'une catégorie qu'on a facilement tendance à montrer le doigt, les pauvres, les migrants, voilà, tous ces gens qui nous font peur, qui nous dérangent, et rentrer dans une relation de personne à personne. Mais ça, c'est toute une culture et toute une éducation. Le pape nous dit même qu'il faut éduquer nos enfants à cette culture de la rencontre. Donc, on voit bien que c'est un apprentissage, ce n'est pas quelque chose d'inné. Il a un très joli mot, parce qu'il a toujours des mots un petit peu qui nous provoquent un petit peu. Donc, ce dialogue entre les cultures, cette culture de la rencontre, fait naître des consensus, permet d'élaborer un pacte social. Et il dit, ce n'est pas un consensus de bureau ou une
paix éphémère pour une minorité heureuse. Voilà. J'adore ce mot de consensus de bureau. Voilà. Donc, un consensus qui ne tient pas, qui ne repose sur rien. Non, c'est tout le contraire. La culture de la rencontre, l'idée de rentrer en amitié avec les pauvres permet de construire une paix durable et un pacte social fort. Voilà donc pourquoi je me sentais vraiment très en phase avec ce chapitre sur l'amitié sociale et notamment l'amitié avec les plus fragiles. Merci Véronique. Et puis on a compris que vous aviez plein d'autres petits trésors à partager que vous aviez trouvé dans cette encyclique, mais justement on y reviendra au cours de la soirée. Michel, Sarah, pour poursuivre avec vous ce premier tour de table, voilà, à la première lecture, vous êtes donc chef d'entreprise. Comment vous avez été interpellé? Vous avez trouvé voilà, quelque chose qui résonnait dans votre manière d'avoir vécu votre engagement chrétien dans le monde de l'entreprise? Non. Tout d'abord, vraiment, le pape François m'inspire beaucoup. J'ai lu Fratelli Tutti avec vraiment beaucoup de joie, d'énergie. Et je trouvais extrêmement inspirant et nourrissant cette lettre. Et si, vous savez, en entreprise, on fait beaucoup appel à des consultants, à des conseillers, à des coachs. Et si le pape n'était pas aussi occupé, je l'aurais bien fait venir dans notre entreprise pour me parler de... Voilà, alors... Je trouve qu'il a une vraie pédagogie. En tout cas, à mon égard, je me sens vraiment enseigné, éclairé par ce qu'il nous appelle. Et il y a peut-être quatre perles que j'aimerais partager. Et sans nous être concertés, Véronique, j'ai été frappé aussi que, effectivement, dès le premier chapitre et à plusieurs reprises, le pape fasse référence à l'imam Amal al-Tayeb. Effectivement, dans le contexte malheureusement de violence, de peur dans lequel nous trouvons, je dis waouh, chapeau. Je suis. On peut redonner juste Michel le contexte pour ceux qui n'auraient pas encore acheté dans notre librairie diocésaine l'encyclique Fratelli Tutti. Il cite son amitié avec l'imam Al-Tayeb, qui est donc l'imam de Al-Azhar, hein, la grande mosquée sunnite du Caire, puisque c'est avec lui qu'il a co-signé le document pour une fraternité humaine, signé le 4 février 2019. Donc c'est en référence à cette rencontre et à ce document commun. Tout à fait. Et je suis particulièrement sensible à cette dimension parce que depuis quelques années, j'ai la chance de participer à des rencontres chaque année entre des dirigeants français, certains chrétiens, d'autres non, et des dirigeants marocains, musulmans. La plupart sont des musulmans pratiquants. Et j'ai pu voir combien ces rencontres, au moins pour certains d'entre nous, entre croyants, montrer que nous pouvons puiser dans nos religions respectives une vision de l'homme au travail qui, personnellement, m'importe beaucoup. Une autre perle que j'ai retirée de Fratelli Tutti, c'est le réalisme. Combien le pape François est ancré dans la réalité. Il n'élude aucun des graves dysfonctionnements que nous constatons. Il n'élude pas la complexité. Toutes ces dimensions anxiogènes que porte notre monde, il les aborde notamment dans le premier chapitre. Mais il termine le premier chapitre par l'espérance. Marchons dans l'espérance. Et vraiment, je dis, waouh, voilà, à la fois dans la réalité et en même temps dans l'espérance. Le troisième point, bien sûr, auquel je suis sensible, dans le contexte de financiarisation parfois à outrance, de recherche du profit à court terme. Malheureusement, et le pape le rappelle, que nous n'avons pas tiré les enseignements de la crise financière de 2008, le pape nous aide à remettre les facteurs dans le bon ordre. Et il rappelle que combien la finance doit être au service de l'économie et que l'économie elle-même a besoin d'être régulée par l'instance politique et notamment au niveau international, ce qu'il appelle de ses voeux. Et enfin, le quatrième point, c'est cette lettre s'adresse à toutes les personnes de bonne volonté. Et ça revient un peu comme un leitmotiv tout au long de l'encyclique où le pape nous dit, mais on ne peut pas rester seul, on ne peut pas s'en sortir seul. Le dialogue, se réconcilier, pardonner, chercher à construire ensemble.
Et cet appel fond du pape à travers Fratelli Tutti, qui est à portée universelle, j'y trouve un écho de ce que, modestement, dans notre entreprise, depuis quelques années, nous nous efforçons de construire pour transformer l'entreprise en profondeur. Merci, merci Michel. Et puis on reviendra donc avec vous tout à l'heure sur comment, voilà, concrètement, du coup, dans la responsabilité d'un chef d'entreprise, on essaye de tenir justement ces engagements auxquels le pape appelle et que vous citiez. Père Arnaud Vaujuas, bonsoir. Bonsoir. Seigneur Le Verbe le disait en introduction, vous avez enseigné de nombreuses années sur les questions de doctrine sociale de l'Église. Alors, il disait une doctrine sociale qui depuis plusieurs dizaines d'années existe, mais le pape remonte encore plus loin et va citer dès le début de l'Église ou dans des grands docteurs de l'Église des points d'appui pour justement les questions de bien commun, de destination universelle des biens. On reviendra avec vous sur ces chapitres, mais voilà, vous aussi, à la lecture, en fin connaisseur de la doctrine sociale de l'Église, qu'est-ce qui vous a néanmoins réjoui, interpellé, surpris? Oui, c'est cette encyclique fait partie de la troisième vague, peut-on dire, de la doctrine sociale de l'Église. Pour dire rapidement, c'est à partir de 1891, avec Rerum Novarum, que l'Église s'est surtout intéressée aux relations entre employeurs et collaborateurs. À l'époque, on disait patron et ouvrier. Puis après, Populorum Progressio, en 1967, sur ce qui est devenu le tiers-mondisme, c'est-à-dire les relations entre le nord et le sud du pays. Avec Laudato Si, on est vraiment dans une perspective qui est qualifiée de franciscaine, hein, c'est-à-dire vraiment revenant radicalement à la situation de créature. Hein, nous sommes sur une planète qui est créée par notre créateur à nous, et nous aussi, nous avons le même créateur, ce qui sera dit d'ailleurs à la fin, hein, ce qui fait que nous sommes frères. Nous sommes frères, et donc c'est parce que François d'Assise était un éminent, on dirait, écologiste aujourd'hui, on le qualifierait de ça, mais il est aussi allé voir le sultan de son époque. Et donc le pape François se dit l'héritier, hein, de celui dont il a pris le nom au début de son pontificat. Donc cette encyclique est une bouffée d'air frais dans une situation inquiétante. Évidemment, le premier chapitre montre combien les épreuves successives, hein, à la fois la crise financière de 2007, mais aussi les inquiétudes écologiques, et puis la montée de la violence et de certains régimes politiques autoritaires, et le risque d'autoritarisme, tout ça dresse un tableau assez inquiétant. Et donc cette encyclique nous appelle à rester ouverts alors que nous sommes en tentation de repli et en tentation de violence et de non-dialogue, etc. Et ça fait du bien à entendre. Mais il faut dire tout de suite que le pape aime bien se situer dans la dynamique. Son mot, c'est d'engager des processus. Souvent, on dit que les moralistes sont prescripteurs. Il ne s'agit pas là de prescription, il s'agit d'invitation à engager des processus. Et c'est donc sans fin. Et effectivement, dès la deuxième chapitre, hein, il montre bien que dans la méditation sur la parabole du bon samaritain, hein, nous nous identifions successivement aux différents acteurs. Parce que nous-mêmes, quelquefois, nous sommes coincés, nous sommes rigides, nous avons peur. Hein, et quelquefois, nous sommes, comme le prêtre et le lévite, on est tenté de passer à côté de la misère des gens. Tantôt, nous sommes le blessé sur la route. Hein, et tantôt, nous sommes appelés à être le bon samaritain. Donc, il ne s'agit pas, si j'ose dire, d'une moralisation, d'un cours de morale au sens péjoratif du terme, où la morale serait culpabilisatrice et prescriptive.
Il ne s'agit pas de cela, il s'agit d'une invitation à être source de dynamisme, d'initier des processus. Alors, il faut souligner effectivement que notre formule républicaine, liberté, égalité, fraternité, est citée, on ne dit pas qu'elle est française, mais enfin, cocorico quand même, n'est-ce pas? Mais on montre bien que la liberté est un moyen de parvenir à la fraternité, mais que la liberté exaltée comme telle risque de nous conduire à l'individualisme. On n'est pas libre pour être libre, on est libre pour faire quelque chose. Et ce quelque chose, c'est d'initier donc des relations de fraternité. Donc c'est véritablement une ouverture à la fois lucide, exigeante, mais encore une fois, si j'ose dire, fraternelle, c'est-à-dire non culpabilisante. Voilà. Pour véritablement être en dialogue, en lien. Et on verra que ça n'est pas simple, quoi, qu'il y a de multiples difficultés. J'ai bien aimé donc le chapitre 3, mais aussi au quatrième chapitre, la réflexion sur le local et l'universel. Il ne s'agit pas, si on veut s'ouvrir aux autres, de se diluer. Au contraire. On ne peut pas parler aux autres si on n'est pas soi-même. On ne peut pas avoir un cœur grand si on n'a pas une colonne vertébrale pour arrimer ce cœur. Donc il s'agit vraiment d'être soi-même et on ne peut véritablement écouter, entendre et dialoguer avec l'autre que si on est soi-même. Au niveau culturel, il est éminemment important de voir que le pape nous situe dans des cultures et dans un peuple. Chose qui, dans une... Alors, les Américains disent globalisation. Il faut faire très attention pour nous, parce que le mot globalisation en américain veut dire mondialisation. Parce que pour les Américains, le monde est un globe. Donc, quand on voit le mot globalisation, il ne faut pas le traduire par globalisation, il faut le traduire par mondialisation. Et le grand risque dans la mondialisation, c'est l'uniformisation atone des différentes cultures en se calquant sur la culture du plus fort, c'est-à-dire de l'américain. Là c'est pas le champ, enfin c'est pas l'orientation que lui donne le pape dans ce dialogue. Il peut lutter, il ne parle pas, donc c'est pour ça qu'il parle d'un polyèdre, et non pas d'un globe, c'est-à-dire que chacun se situe dans un peuple, et c'est dans la mesure où il adhère, il fait sienne la culture de son peuple, qu'il peut rentrer en contact avec un autre peuple. Et donc, il invite. Bon, nous verrons après que ça n'est pas sans difficulté, parce qu'il y a aussi tous les conflits, et notamment les nécessités de la repentance, mais ça, on en parlera un peu plus tard. Oui, c'est effectivement le réalisme dont parlait aussi Michel Sarah, du pape, qui écarte pas les difficultés, mais qui nous donne quand même des pistes pour pas s'y résoudre. Deuxième tour de table, on va commencer par vous, Michel, cette fois-ci. On le disait il y a un instant, voilà, vous avez été touché par la pédagogie du pape François, mais cette pédagogie, elle accompagne de manière fraternelle, vous le disiez aussi par un mot de Joas, elle est quand même aussi exigeante. Pour un entrepreneur aujourd'hui, j'allais dire de manière un peu pour vous provoquer, mais un entrepreneur qui se dit chrétien, c'est-à-dire qui affirme qu'il trouve une inspiration forte de son action dans la doctrine sociale de l'Église. Quelle est la responsabilité, du coup, que vous sentez en tant qu'entrepreneur dans cette perspective de Fratelli Tutti ? Alors, ce qui m'a frappé, c'est qu'en remettant l'accent sur la dimension sociale de la propriété, le pape nous donne au fond la raison d'être, le rôle de l'entrepreneur. Et je le cite parce que j'ai trouvé les termes employés très, très beaux. Donc je cite, une vocation noble orientée à produire de la richesse et à améliorer le monde pour tous.
Mais aussitôt, il rajoute que ces capacités des entrepreneurs doivent être ordonnées au développement des personnes et à la disparition de la misère et à créer de l'emploi. Donc, voilà, il met en valeur, le rôle de l'entrepreneur, mais bon, il met tout de suite le cadre et ça me parle. Alors, pour essayer de répondre à votre question, Jean-Michel, au fond, je vais vous partager trois exemples de pratiques que nous avons dans l'entreprise qui, en tant que telles, ne sont pas modélisables. Ce n'est pas pour dire qu'il faut faire comme ça. Mais dans le cheminement, dans le réalisme de notre entreprise, ce sont des choses qui nous ont aidés, enfin, qui nous aident à avancer. Et ça tourne autour de la subsidiarité, de la notion de responsabilité et une approche du bien commun. Comment, au fond, une entreprise dans le transport routier qui emploie 2000 personnes, dont près de la moitié des salariés sont actionnaires de l'entreprise, comment dans nos pratiques, nous nous efforçons de mettre un peu de cohérence autour de ces questions. La subsidiarité, nous sommes en train de déployer dans toute l'entreprise une organisation qui permet à chacun de nos conducteurs, c'est-à-dire pour nous les conducteurs routiers, ce sont les opérateurs qui quotidiennement servent nos clients. Donc, qui permet à chacun de nos conducteurs de prendre les décisions les plus appropriées à son travail et d'effectuer des tâches, d'assumer des responsabilités qui, auparavant ou dans beaucoup d'autres entreprises, relèvent du rôle du patron ou du chef, comme par exemple organiser les plannings de travail, les plannings de congés payés, s'occuper de prendre les rendez-vous pour la maintenance des véhicules, vérifier les factures, ou encore, quand un collègue est arrêté, prendre des décisions pour le remplacer ou pour, quand un véhicule est en panne, pour le dépanner. Au fond, permettre à ces personnes de s'approprier leur travail au quotidien. Alors, ça se dit en une minute, ça fait plusieurs années qu'on travaille sur le sujet, de façon à ce que ça devienne vraiment une réalité. Après, le second exemple que je vais vous donner, c'est autour de la notion de responsabilité. C'est un vaste sujet. Et, on a cité, bien sûr, la crise financière 2007-2008, qui, j'aime bien reprendre cette expression, a été le révélateur d'un mélange absolument délétère de cupidité et d'irresponsabilité. D'où, enfin, je pense que dans le milieu économique, enfin dans beaucoup, bien sûr, dans beaucoup de milieux, mais en tout cas pour ce qui me concerne, dans l'entreprise, cette notion de responsabilité est centrale. Or, une grande confusion entre exercer un pouvoir, exercer du pouvoir, ça généralement on aime bien, et assumer les responsabilités liées à l'exercice de ce pouvoir. Et là, généralement, il y a moins de monde. D'où, dans l'entreprise, nous nous efforçons de travailler de façon pédagogique pour que les personnes puissent se situer en responsabilité. Et curieusement, paradoxalement, les personnes pour qui ça peut être le plus difficile, c'est souvent les dirigeants et les cadres. Encore une fois, parce qu'il y a cette confusion entre pouvoir et responsabilité. Alors, à l'égard de nos cadres dirigeants, nous avons appliqué, ou nous avons expérimenté, nous expérimentons une médecine de cheval. Encore une fois, ce que je dis n'est pas modélisable, mais je peux témoigner que ça a du fruit. Nous avons mis en place un processus par lequel les membres de l'équipe de direction, les directeurs de filiale, fixent eux-mêmes l'évolution de leur rémunération. Alors bien sûr, ce processus fait appel à la collégialité, il s'appuie sur des éléments factuels, mais in fine, c'est bien chaque personne qui prend la responsabilité de fixer sa propre rémunération. Et contrairement aux apparences, ce n'est pas un cadeau. Enfin, dernier point autour du bien commun. Alors, c'est toujours suspect quand un chef d'entreprise parle du bien commun. On voit tout de suite la récupération en marketing et donc j'avance sur ce sujet avec beaucoup de prudence. Néanmoins, il y a quelques années, nous avons éprouvé le besoin de travailler sur la raison d'être de l'entreprise, de travailler sur les valeurs qui peuvent nous servir de point d'appui, de guide dans notre pratique professionnelle. Et aussi de travailler sur la vision, sur le projet de l'entreprise dans laquelle nous voulions construire pour l'avenir. À toutes les étapes de ces démarches, nous avons fait appel au volontariat. Et nous avons été frappés de voir combien, à la fois en nombre de personnes qui sont impliquées sur ces projets, sur ces travaux,
et en qualité des contributions, combien le fait de dialoguer, d'accepter la confrontation sans exclure personne a priori, porte du fruit. Et une année comme 2020, qui est extrêmement difficile pour nous tous, mais y compris pour notre entreprise, nous en vérifions la solidité. Et enfin, pour terminer sur cette question, parce que c'est vraiment d'actualité, vendredi prochain, là, dans 4 jours, nous avons une assemblée générale d'actionnaires qui réunit donc actionnaires familiaux, actionnaires salariés. Et cette assemblée générale va, pour la première fois dans l'histoire de l'entreprise, nommer 2 administrateurs représentants des salariés au conseil d'administration. La finalité de cette démarche, qui est à la fois bien sûr passionnante, mais aussi exigeante, est d'associer encore plus les collaborateurs, les équipiers GT, à la gouvernance de l'entreprise. Voilà comment on fait force de concilier différentes dynamiques. Merci Michel pour ce partage d'expérience. Du coup, on a bien compris, hein, c'est pas une recette magique, mais c'est le témoignage de vos expériences personnelles et puis j'ai dire presque collectives, parce qu'on comprend bien que là aussi c'est de la co-construction. Soyez rassurés, le pape est loin de formule marketing, hein, vous le savez bien, mais dans la partie dont je renvoie nos auditeurs, téléspectateurs à la page, enfin au numéro 118, 119 et suivant, et au numéro 120, effectivement, il cite Jean-Paul II, et puis il se cite dans Laudate aussi, en rappelant que la tradition chrétienne n'a jamais reconnu comme absolu ou intouchable le droit à la propriété privée. Elle a souligné la fonction sociale de toute forme de propriété privée, et il développe effectivement la finalité sociale. Vous parliez du bien commun, mais effectivement de cette destination universelle des biens. Donc on a là aussi, effectivement, on le verra peut-être dans la troisième partie de notre entretien, il s'appuie aussi là-dessus après pour dire, bon, mais voilà, concrètement, il faut s'en servir aussi pour résoudre certains problèmes, la faim dans le monde, taxer la finance, enfin, bon, il en tire aussi des conclusions programmatiques. Véronique, pour poursuivre donc après ce qui vous a réjoui ou ce qui a résonné par rapport à votre engagement, un deuxième point à approfondir où vous vous êtes dit, tiens, là il y a à travailler. On évoquait en préparant cette émission la question de la bonne politique, de la meilleure politique même. Effectivement, occupe une part importante. C'est le chapitre 5 du livre. Voilà, qu'est-ce qui a retenu votre attention dans ce chapitre ? Voilà. Ça humanise toujours les vidéoconférences, ça montre qu'on n'est pas des robots. Donc maintenant, on vous entend. C'est mieux avec le micro, alors. Donc ce chapitre 5, là, qui est intitulé « La charité politique » est extrêmement intéressant. Alors là encore, comme vous le disiez, c'est pas vraiment nouveau, c'est une reprise de choses que le pape a dites dans Laudato Si ou dans Evangelii Gaudium, ou c'est une reprise aussi de la doctrine sociale de l'Église, donc une reprise de la tradition. Il veut à la fois nous dire que l'action politique est nécessaire, que c'est même la plus haute forme de la charité, qu'elle est vraiment indispensable, mais en même temps, il sait très bien qu'elle est difficile. Il dit même, pour beaucoup de personnes, la politique aujourd'hui est un vilain mot. Mais on rencontre ça un peu au Secours catholique, où nos bénévoles ont du mal à rentrer dans ce champ politique quand on leur dit, ben, notre mission, c'est effectivement de rentrer en amitié avec les migrants, avec les pauvres, d'avoir des moments de fraternité, mais ça doit nous conduire à vouloir transformer le monde pour détruire les causes de cette pauvreté et de cette exclusion sociale. On ne peut pas juste avoir une action individuelle sympathique et très amicale, et c'est toute la dynamique de Fratelli Tutti, c'est que justement cette amitié dont il a parlé, cette amitié qu'il appelle amitié sociale ou qu'on peut appeler fraternité, avec les pauvres, les migrants, les musulmans, etc., nous met en situation d'intranquillité, parce qu'à partir du moment où on est en amitié forte avec quelqu'un et on voit ce qu'il a vécu de terrible, que ce soit un migrant, que ce soit une personne de pauvreté aujourd'hui en France, et on se dit, ben, c'est pas possible, il faut changer le monde, il faut transformer le monde. Et donc, pour transformer le monde, ça veut dire entrer dans l'action politique. Et là, le pape, il nous décomplexe, en montrant qu'au fond, il peut y avoir un engagement individuel, un engagement collectif,
et puis un engagement politique et citoyen. Mais tout ça, c'est dans la même dynamique, dans le même processus, justement. C'est toujours son idée du processus. Et quand parfois, on fait de la politique sans s'en rendre compte. Et donc, il a une très belle phrase au numéro 180. Il dit, donc, un individu peut aider une personne dans le besoin. Bon, c'est ce qu'on fait parfois au Secours catholique, quand on peut, quand personne vient frapper à notre porte. Mais lorsqu'il s'associe à d'autres pour créer des processus sociaux de fraternité et de justice pour tous, il entre dans le champ de la plus grande charité, la charité politique. Et ça, je trouve ça très intéressant parce que ça décomplexe par rapport à l'action politique, parce que effectivement, toute action collective, finalement, est politique. Quand on mène une action avec un groupe d'habitants pour changer la vie dans le quartier ou pour changer la vie de village, pour qu'il y ait plus de justice, plus de fraternité, que les transports en commun soient mieux organisés, que tous les enfants puissent avoir accès à la cantine à des prix accessibles selon leurs revenus, etc. Donc, des petites actions collectives qui, au fond, sont absolument dans le champ de la politique. Donc, je trouve ça très, très fort pour nous et on va s'en servir certainement au Secours catholique et pour travailler ça avec nos bénévoles pour dire une action individuelle qui devient collective, souvent, elle rentre dans le champ politique et la charité politique, c'est le plus haut degré de la charité. Et d'ailleurs, il fait référence aussi, le pape François, au texte des évêques, réhabiliter la politique, un texte qui nous guide encore aujourd'hui et qui était extrêmement fort sur le sujet. Effectivement, et puis on peut, les évêques de France, mais on va l'évoquer avec vous, pas ce document précisément, mais dans un monde qui change, retrouver le sens du politique, ça c'était le dernier en date qui, je crois, datait de quelques mois avant les élections présidentielles de 2017, mais régulièrement l'Église, en France ou de manière universelle, s'est positionnée sur ces questions d'un passage d'une action personnelle nécessaire. Effectivement, il y a toute la méditation sur le bon samaritain, mais aussi du processus et de l'action politique présentée comme le plus haut degré de charité, justement. Arnaud de Vaugelas, justement, dans ce chapitre, alors notamment, se penser gérer un monde ouvert, il est bien question de politique aussi, comme dans le chapitre 5, qu'est-ce que vous retenez à approfondir ou alors peut-être en quoi le pape François, finalement, n'est pas, un franc-tireur de la doctrine sociale de l'Église, mais s'inscrit bien aussi dans une continuité du magistère. Il est éminemment important de voir comment la réhabilitation de la politique par le pape passe par des réflexions sur le peuple et la culture. Parce que pour pouvoir faire de la politique, encore faut-il avoir une communauté politique, c'est ce que le compendium de la doctrine sociale de l'Église appelle, ce que effectivement le pape François appelle un peuple. Donc il faut se souvenir que le cardinal Bergoglio est d'Amérique latine et qu'à côté de la théologie de la libération dont on a beaucoup parlé dans les années 80-90 en Europe, il y avait aussi la théologie du peuple. Enfin, bref, qu'est-ce qu'un peuple ? Et le pape parle, au niveau d'anthropologie sociale, c'est très important, à la fois de mythe, M-Y-T-E-S, ça peut paraître étonnant, et de rêve. On ne fait partie d'un peuple que si on a une histoire commune, si on a un projet commun. Sans ça, pour en revenir à ce que les évêques de France disent, on est dans la gestion. Et le grand critique que fait dans le document que tu as présenté, Jean-Michel, sur la politique des évêques de France, eh bien c'est qu'on en arrive à la gestion. Et si on n'en arrive qu'à la gestion, eh bien on est dans l'individualisme, n'est-ce pas ? Et on est une masse non structurée. Donc c'est une question qu'il va falloir travailler. Et c'est très important de voir que nous avons une culture, à la fois au niveau de chaque pays, à la fois au niveau de l'Europe, et à la fois au niveau de la planète. Voilà, nous avons des événements
qu'il faut bien que nous articulions les uns avec les autres de façon sensée, de telle façon que chacun de nous puisse dire « c'est mon histoire hein ». Et c'est ce qui permet d'avoir un vouloir vivre ensemble, que le pape appelle un rêve ou un projet. Et Dieu sait si aujourd'hui nous sommes en déficit de projet. Donc je le répète, nous, si nous n'avons pas de projet, nous ne sommes que dans la gestion. Donc ça, c'est un travail considérable à faire, mais passionnant. Parce qu'effectivement, nous ne pouvons avoir de dialogue avec des personnes que si nous ne les considérons pas exclusivement comme des agents économiques, de producteurs et de consommateurs. L'absence de compréhension de ce qu'est un peuple, de ce qu'est une histoire, de ce qu'est un projet, réduit l'homme à un agent économique. Mais à ce moment-là, nous sommes pieds et poings liés à des experts en économie qui vont nous dire comment nous soigner, mais nous, nous ne serons que les bénéficiaires de leur science. Donc là, il y a quelque chose de considérable à faire, hein, et on en parlera peut-être dans la troisième partie, ce qui implique aussi d'affronter les conflits, n'est-ce pas ? Parce que l'histoire est productrice de malentendus, de conflits, de guerres, et précisément, il est éminemment important que nous articulions cette dimension de repentance. Effectivement, tout ça n'est pas du tout populiste. Alors, Dieu sait si le pape développe une anthropologie et une théologie du peuple, mais dénonce aussi le populisme. Il a une phrase très claire hein, là-dessus au numéro 157. Vous le disiez, chose qu'on n'entend peut-être pas forcément, en tout cas en France, mais il dit, mais le terme de populiste en soi, le populisme, il ne faut pas l'écarter si vite parce que ça contient le mot peuple et il faut le réhabiliter à condition avec une critique solide de la démagogie. On voit bien qu'il opère un distinguo entre le peuple et la démagogie qui se sert de la foule. Et donc, effectivement, il dit même la tentative de faire disparaître du langage cette catégorie du peuple pourrait conduire à éliminer le terme même de démocratie, c'est-à-dire le gouvernement du peuple. Alors, il définit le populisme comme étant effectivement une manipulation, une démagogie à court terme de ce que le peuple vit. Et je terminerai en disant qu'à ce moment-là, il montre comment une bienfaisance sans mise en responsabilité des gens bénéficiaires de la bienfaisance est profondément humiliante pour ses bénéficiaires et que c'est au bout du compte ce qui redonne la dignité aux personnes. C'est le travail, c'est-à-dire la participation active à une histoire et donc à un peuple. Hein, et qu'il faut éviter, donc, il termine de façon assez cinglante en disant que ceux qui ont la chance d'avoir un certain niveau de vie peuvent se penser pour des bienfaiteurs hein, et que les bénéficiaires sont des assistés et qu'effectivement nous risquons. C'est ce qui s'est passé avec le clientélisme de la plèbe de l'Empire romain, etc. Donc il y a là des réflexions extrêmement riches, hein, précisément à notre moment culturel actuel. Voilà. Alors vous le disiez, on va l'évoquer tout de suite, parce que pour respecter un peu le temps qu'on s'est nous-mêmes imparti, on va passer à la dernière étape, qui est celle un peu du volet programmatique. Dans la Laudato si, il y avait... après un constat, après des pistes, il y avait des propositions concrètes pour avancer. Là aussi, sur la question de l'amitié sociale, de la meilleure politique et de cette construction sociale à mener, il y a des propositions. Et puis, je le disais, au-delà, on va un peu plus loin que l'encyclique, finalement, depuis, le pape a eu l'occasion de commenter dans des livres, dans des conférences, des propositions concrètes, notamment la question d'un revenu universel, la question de la taxation des transactions financières ou de l'argent consacré aux armements pour mettre un terme au problème de la faim dans le monde. Il a des passages là-dessus concrets. Voilà. Qu'est-ce que vous retenez les uns et les autres ? Alors peut-être
Arnaud Vaugelas, comme vous venez d'évoquer plusieurs sujets en lien avec ça. Qu'est-ce que vous retenez comme voilà, ce pas de plus qu'il invite à faire? Alors, ce qui est le plus difficile et conflictuel, disons-le, c'est ce que le saint pape Jean-Paul II appelait la repentance. Et ce qui est dit au chapitre 7 sur le souvenir des conflits. Voilà. Qu'on le veuille ou non, on n'arrivera jamais à faire un peuple si nous ne sommes pas en attention permanente des blessures inéluctables que la vie en société induit chez nous. D'où la nécessité d'une mémoire et d'une vérité, couplée au pardon, bien sûr. Donc, je suis assez fier que l'Église catholique, surtout avec Jean-Paul II, qui, lors du grand jubilé de l'an 2000, le mercredi décembre, a fait donc cette repentance, n'est-ce pas, qui n'est pas du tout aimée par les identitaires. C'est sûr que ceux qui ont peur de perdre leur identité, mais qui ne s'aperçoivent pas que l'identité est un phénomène vivant, donc dynamique, donc demandant le dialogue, et certes, alors si on exclut le dialogue, au contraire, on se replie sur soi et on s'appauvrit. Donc, là, et ça n'est pas évident, parce que ça va demander pour nous, je dis, les pays occidentaux, parce que, de fait, l'Occident a été hégémonique. On n'a pas à en être culpabilisé pour autant, mais il y a le meilleur et le pire qui s'est passé pendant cette période historique dont nous ne sommes pas complètement sortis, mais nous le sommes moins que nous l'avons été. Il y a tout un travail de vérité et d'humilité. On n'a pas à avoir honte, mais on n'a pas à se considérer non plus comme des grands bienfaiteurs. Nous avons fait ce que nous avons fait, nous devons reconnaître ce qui a pu être blessant, et généralement quand les peuples, on peut dire, jouent ce jeu, c'est positif. Vous savez, je terminerai par là en disant qu'il y a deux grands exemples de réconciliation populaire, c'est la réconciliation franco-allemande, et c'est la suite de l'apartheid en Afrique du Sud. Et j'ai été très étonnant, et comme beaucoup de Français, quand la Yougoslavie a éclaté dans les années 80-90, de voir que les conflits entre les peuples de l'ancienne Yougoslavie faisaient référence à ce qui n'avait pas été traité de la Seconde Guerre mondiale. Nous avons une chance considérable d'avoir vécu ce temps. Donc c'est des exemples sur lesquels il faut s'appuyer pour véritablement faire peuple. Voilà donc, je crois, ce qui est à... Voilà, donc je vous relaisse la parole. Mais merci Père, on peut penser aussi au Rwanda avec ce qui a été initié des tribunaux de justice et réconciliation, ou cette question de la vérité de la parole qui faisait la lumière sur ce qui s'était passé, où était aussi central. Michel, Sarah, vous avez partagé ce que vous viviez, ce que vous sentiez à approfondir. Voilà, le pas de plus dans ce que notamment, je disais, il y a des questions sur la finance, sur les rapports économiques, la question du ruissellement qui est aussi un peu mise à mal dans ce livre. Qu'est-ce que vous sentez comme devoir pour avancer, alors soit au niveau de l'Église diocésaine, soit au niveau des entrepreneurs chrétiens? Alors, je suis très, très frappé dans le chapitre 5 sur la meilleure politique par les questions que le pape François pose tout à fait à la fin. Et vraiment, je ne suis absolument pas dans l'orbite politique, dans le domaine politique. Je suis un homme d'entreprise. Néanmoins, je me suis laissé toucher, enfin, je suis touché par ces questions. Je me permets de les reprendre. Au fond, un jour, on aura à se demander... Quel amour ai-je mis dans le travail? Quelle marque ai-je laissée dans la vie de la société? Quel lien réel ai-je construit? Quelle force positive ai-je libérée? Quelle paix sociale ai-je semée? Qu'ai-je réalisé au poste qui m'a été confié? Si on s'arrête, je crois pour chacun de nous, on se dit « Waouh, disons, là, il y a du lourd ». Si honnêtement, on veut s'efforcer de répondre à ces questions… Et
sans doute du fait de ma pratique professionnelle, sans doute aussi inspiré par des engagements actifs, un peu dans le syndicat professionnel, mais surtout associatif, je suis extrêmement sensible aux questions de gouvernance des organisations. Que celle-ci soit une entreprise, bien sûr, mais une école, un hôpital, une association, un syndicat, un mouvement, et même pour notre Église en tant qu'institution. Au fond, la gouvernance d'une organisation, c'est quand ça se passe bien, ce qui permet que ça se passe bien aujourd'hui, mais aussi de tout mettre en œuvre pour que ça dure dans le temps. Au fond, la gestion, c'est le quotidien. Mais la gouvernance, c'est comment organiser les pouvoirs, comment organiser les décisions, avec toujours cette notion de responsabilité, pour que ça dure dans le temps. Et j'ai deux exemples qui me sont venus. Alors, Véronique, c'était une conversation que nous avons eue il y a quelques mois, où tu nous partageais comment le Secours catholique, dans sa gouvernance, s'y prenait pour renouveler le président national, mais aussi le directeur général ou le délégué général. Et sincèrement, je dis chapeau. Voilà une vieille dame, le Secours catholique, une institution, enfin un mouvement qui a pas mal d'années derrière lui, qui a une façon de vivre la gouvernance extrêmement vivante. Alors, ça n'enlève rien, j'imagine, les difficultés à la complexité de la question. Mais bon. Un autre exemple vécu la semaine dernière, je participais à l'Assemblée générale d'une entreprise d'insertion qui s'appelle Envol 33, et ça a été un moment passionnant. Passionnant par le bilan de l'année écoulée, où comment cette association a fait face, enfin, l'entreprise d'insertion, elle est sous forme de société, cette entreprise d'insertion a fait face à des circonstances exceptionnelles que nous connaissons en 2020, et vraiment, super, chapeau. Et dans le même temps, cette entreprise est confrontée à une vraie difficulté, à savoir que les actionnaires militants qui l'ont créée il y a 24 ans sont face à un problème de renouvellement, un problème de gouvernance profond, et qu'il y a eu un débat passionnant la semaine dernière, mais avec une vraie difficulté. Alors, c'est vrai qu'à la lecture de Fratelli Tutti, même notre échange ce soir, je me dis, là où peut-être j'ai un peu d'expérience, c'est sur ces questions de gouvernance, et ça m'encourage à continuer à accompagner des dirigeants d'organisations qui, chacune à leur façon, s'efforcent d'œuvrer pour le bien commun. Voilà ce que je retiens de Fratelli Tutti. Merci pour ce partage. Véronique, alors vous qui avez justement à vivre aussi sur ces questions de pouvoir, Michel Sarrizé, de gouvernance, vous-même aussi, vous avez à appliquer et à vivre des processus qui ne mettent pas le pouvoir comme un gain personnel, mais on a compris que le Secours catholique est engagé dans le renouvellement. Puis vous l'avez évoqué, les co-constructions aussi des projets avec les personnes accueillies finalement depuis quelques années. On ne fait plus trop la distinction au Secours catholique. On est sorti d'une position d'aidant à un projet qu'on co-construit. Qu'est-ce que vous voyez comme pas supplémentaire au sein du Secours catholique Caritas France, que vous présidez encore, ou pour notre église diocésaine qui est en Gironde et que vous connaissez aussi puisque vous êtes bordelaise? Oui, puisque Michel m'a tendu la perche, effectivement, le processus vertueux de recherche d'un futur président ou d'une future présidente du Secours catholique est lancé, puisque moi j'arrive en fin de mandat. Effectivement, cette question de la gouvernance, elle est centrale, et effectivement, on essaye de voir comment on peut vraiment donner une place à des personnes qui ont l'expérience de la pauvreté, de la précarité dans nos instances de décision, que ce soit au niveau départemental, national, ou au niveau d'une petite équipe locale. Donc, c'est un processus long, lent et difficile, mais qui découle de cette amitié avec les personnes en difficulté. Puisque au nom de cette amitié, eh bien, on se trouve justement dans une égale dignité et dans une égale capacité à réfléchir, etc. Et du coup, moi, je me dis, j'ai envie de... Enfin, il me semble que l'urgence pour aujourd'hui, dans le fracturé dans laquelle on est, une société quand même vivante, une église aussi, un peu au cas divisé, il me semble que l'urgence, c'est de mettre en place des processus profonds de dialogue et d'amitié qui incluent les plus pauvres, bien sûr.
Donc, c'est de sortir un peu de l'entre-soi, un entre-soi qui est rassurant, mais qui est quand même très compréhensible. Encore une fois, la société est compliquée, il y a beaucoup de tendance à l'entre-soi, au repli sur soi. Il faut vraiment s'efforcer de sortir de ça, de sortir de notre canapé, comme disait le pape François. Je ne suis pas tout seul, mais en groupe justement ou en paroisse. Et je retrouvais l'intuition au fond du synode de Gironde qui se terminait en proposant des petites équipes fraternelles de proximité qui soient ouvertes à tous, qui soient sur la parole de Dieu. Mais à condition, j'ai mis une condition très précise qui est issue de Fratelli Tutti justement, à condition que dans ces équipes fraternelles, ces équipes de proximité, on ait le souci d'aller chercher ceux qui manquent. D'aller chercher les absents, c'est-à-dire ceux qui ne viennent pas naturellement quand on fait un petit appel en chair en disant « il y a une équipe qui va se réunir la semaine prochaine », il y a plein de gens qui ne viennent pas, d'abord ceux qui ne sont pas à l'église aujourd'hui et qui sont plutôt en périphérie. Voilà. Donc la condition de ces équipes fraternelles, c'est d'aller chercher les absents, ceux qui manquent à l'église aujourd'hui. Et si on fait cette démarche d'aller chercher tous ceux qui sont en périphérie et qui ne demandent qu'une chose, c'est d'être invités à ces petites fêtes fraternelles, à ces équipes fraternelles, eh bien, moi, j'ai la conviction que fondée sur la parole de Dieu et fondée sur la fraternité, sur l'amitié avec les plus fragiles, ça va nous donner une énergie formidable pour transformer à la fois l'Église et la société tout entière. Et ça, le pape le dit très fortement, il a vraiment cette intime conviction, parce que je pense qu'il l'a vécu aussi en Amérique latine. Il s'adresse souvent au mouvement d'éducation populaire, il a beaucoup de tendresse, vous savez, pour les mouvements d'éducation populaire. Et il parle d'un torrent d'énergie morale qui naît de la participation des exclus à la construction d'un avenir commun. Donc pour lui, ça c'est au numéro 169. Au paragraphe juste avant, il a critiqué le ruissellement en disant l'enrichissement des riches qui finit au bout d'un temps infini à ruisseler sur les pauvres, ça ne marche pas du tout. Par contre, ce qui marche, c'est la capillarité, c'est le principe inverse, c'est-à-dire une énergie, même il dit un torrent d'énergie, qui part du bas, qui part des plus petits, qui part des plus fragiles, qui part des mouvements populaires et qui a vraiment une puissance de transformation de la société extrêmement forte. Donc, moi, j'ai la conviction que si en Gironde, on met en place ces petites fraternités, ces petits groupes de proximité qui sont suffisamment fraternels, qui ont eu le souci d'aller chercher les plus fragiles, on va avoir des surprises avec les torrents d'énergie qui vont naître de ces petites fraternités de proximité. Merci, merci beaucoup Véronique. Merci à tous les trois pour nous avoir partagé votre lecture de Fratelli Tutti et puis ce que vous nous invitez à y trouver pour poursuivre ce chemin. On l'avait annoncé, donc il y a des questions qui ont pu être posées et donc on va prendre quelques minutes pour pouvoir justement dialoguer autour de ces questions. Et puis vous-même, si dans les interventions des uns et des autres, vous aviez des choses qui vous ont interpellé, on pourra approfondir des points. Une première question, donc, précise, sur une lecture du paragraphe 70. Le pape dit « Il y a seulement deux types de personnes, celles qui prennent en charge la douleur et celles qui passent outre. » C'est dans la méditation sur le bon samaritain. Comment réagissez-vous à donc, cette séparation nette, finalement? Le pape avait fait le coup déjà dans un document qui était un document sur l'appel à vivre la sainteté dans le monde actuel. Donc réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Ou pareil, autour de Matthieu 25, j'avais faim, vous m'avez donné à manger, ou j'étais étranger, vous m'avez accueilli. Il disait pareil, là aussi, ça sera le grand critère, il y a ceux qui l'ont fait et ceux qui ne l'ont pas fait. Donc sur cette dichotomie-là, qui peut aussi on peut se dire, mais alors de quel côté je suis, comment ça vous interpelle les uns et les autres? Comment vous la recevez? Arnaud, vous voulez... Je crois qu'il y a des moments où nous sommes effectivement attentifs, et puis il y a des moments où non. Il le dit aussi que nous nous identifions aux différents personnages de cette parabole. Donc effectivement, à un moment donné, on est sous l'action de la grâce et effectivement on est attentif à la souffrance. Il y a des moments
où on est débordé, où on dort, où on est pêcheur, je ne sais pas, et où effectivement, on n'est pas attentif. Hein, donc, voilà, on est en sinus, la vie spirituelle est sinusoïdale. Il faut espérer que la pente globale soit ascendante. Voilà. Mais enfin, effectivement, nous ne sommes pas en permanence soit l'un, soit l'autre. Une autre question en lien, et dont je voulais lire à la suite, toujours sur cette parabole du bon samaritain. Avec la pandémie et les crises que nous avons traversées en 2020, une augmentation des demandes, de la pauvreté, le rapport récent du Secours catholique sur l'état de la pauvreté en France l'a bien montré. Y a-t-il eu aussi, alors peut-être là, Véronique, vous aurez peut-être une lecture nationale de ces questions, y a-t-il eu une augmentation du nombre de personnes qui, proportionnellement ou en lien avec cette augmentation de la pauvreté, chargent un blessé sur leurs épaules? Est-ce que finalement, ce sont aussi des occasions de trouver des gens de bonne volonté, puisque ça s'adresse aussi à tous les hommes et les femmes de bonne volonté. Quel constat vous faites, vous, au niveau du Secours catholique? Et bien sûr, alors, c'est important de le dire que je crois que ça a suscité quand même beaucoup de questions de générosité. Alors, une générosité qui se traduit par des dons. Presque toutes les questions disent « oui, on a eu plus de dons que d'habitude », parce que On a un petit souci de connexion. Véronique, est-ce que vous nous entendez? Véronique? Un petit souci de ligne avec Véronique. Peut-être le temps que la... Vous nous entendez? Alors, voilà, ça fige peut-être un petit peu. On a du mal à vous entendre. Voilà, c'est revenu. Allez-y. Vous disiez que vous constatiez une augmentation des dons. Mais est-ce que les gens chargent aussi sur leurs épaules, ils donnent à l'aubergiste, mais est-ce qu'ils chargent aussi les gens jusqu'à l'auberge? Oui, alors les gens, donc des jeunes, des gens qui étaient confinés chez eux, enfin travaillaient, mais qui étaient suffisamment jeunes pour pouvoir sortir, qui sont venus nous aider. Et puis on a vu des choses nouvelles s'ouvrir, par exemple. Des agriculteurs qui n'arrivaient pas à écouler leur production du fait de la fermeture des restaurants et de beaucoup moins, qui se sont rapprochés des équipes du Secours catholique et ensemble, ils ont inventé des solidaires, donc ce qui était une façon beaucoup plus digne et qualitative de permettre à des gens qui avaient des problèmes, des difficultés matérielles très importantes, d'accéder à une alimentation de qualité avec des produits de proximité. Et il y a un lien durable, du coup, les agriculteurs et les équipes du Secours catholique. Donc, il y a aussi effectivement plein de choses qui sont inventées. Alors. Merci Arnaud, merci. C'est moi cette fois, je n'avais pas rallumé mon micro. Ça a coupé un peu Véronique, mais merci, on a compris qu'il y avait à la fois eu un surcroît de générosité et puis aussi quand même des initiatives entre des jeunes, des agriculteurs, des personnes qui ne s'étaient pas engagées précédemment et qui trouvaient l'occasion de se mettre en marche. Une autre question qui nous remonte d'Internet, que retenir de cette lecture, les uns et les autres, alors là, du coup, vous pouvez partager, sur votre vie de foi. Voilà. On a parlé beaucoup de la question de la responsabilité sociale, d'économie, de politique. Mais voilà, sur votre vie de foi, en quoi elle nourrit votre vie de foi, cette encyclique? Moi, je citerai simplement, je lirai ça, parce que le numéro 77, « Chaque jour, une nouvelle opportunité s'offre à nous. Nous entamons une nouvelle étape. Nous ne devons pas tout attendre de nos gouvernants, ce serait puéril. Nous disposons d'un espace de co-responsabilité. » On peut continuer. Nous, voilà, le pape, encore une fois, nous invite à initier des processus. Moi, ça me réveille. Je ne suis pas culpabilisé. Je me dis qu'il y a quelque chose à faire. Et même si j'étais endormi hier, ce n'est pas une raison pour ne rien faire aujourd'hui. Voilà. Et puis, voilà, on sème, et,
Et ce n'est pas nous qui récolterons, pas forcément. Quoi. Voilà. Merci à Arnaud. Michel, une question. Alors peut-être sur la vie de foi, vous vouliez partager quelque chose? Non, ce qui me venait, c'est que, au fond, quand on est en responsabilité d'une organisation, on est confronté constamment à la recherche de cohérence entre ce à quoi on croit, les principes sur lesquels on souhaite s'appuyer, et puis la pratique quotidienne. Et vraiment, je pense que, pour ma part, si je ne suis pas soutenu par la foi et par l'espérance, il y aurait bien des moments de découragement ou de se dire je ne suis pas à la hauteur. Et je crois que Jésus nous montre le chemin, et ça, pour moi, c'est une ressource extrêmement importante. Merci. Ne coupez pas votre micro, Michel, parce qu'il y a une autre question qui, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, j'aimerais vous entendre là-dessus, sur une personne qui nous suit et qui nous dit merci pour cette conférence. Pourriez-vous nous parler du dialogue interreligieux à travers Fratelli Tutti? Alors, vous évoquiez votre expérience, pas directement interreligieuse, parce qu'on comprenait que c'était des relations professionnelles entre chefs d'entreprise français et marocains, mais est-ce que ces questions d'interreligion, on le disait, l'amitié entre le grand imam de Al-Azhar Al-Tayeb et le pape François, la référence à saint François d'Assise, voilà, comment vous lisez ça à l'aune de Fratelli Tutti? Mon expérience est extrêmement réduite, en tout cas. Mais vraiment, pour moi, c'était la première fois que j'ai pu rencontrer des croyants de la religion musulmane, et combien chacun de notre religion, on a pu échanger, parler sur en quoi notre religion nous nourrit, nous questionne. Et alors ça, c'est une expérience extrêmement riche. Et ça rejoint ce que l'on disait tout à l'heure, enfin, à plusieurs reprises, on y est revenu, mais au fond, aller vers l'autre, pouvoir rencontrer. Et pour ma part, ce n'était pas du tout inscrit dans mon parcours que de rencontrer des dirigeants d'entreprise musulmans, mais ça m'a beaucoup éclairé. Et ça m'a éclairé aussi sur un point auquel je ne m'attendais pas, c'est que j'ai réalisé, l'un d'entre eux nous disait, mais tu sais, Michel, pour nous, un bon patron ici au Maroc, il doit s'occuper que ses employés puissent vivre leur religion. Et en France, où on a une laïcité parfois un peu, enfin, une laïcité très prégnante et parfois un peu crispée, ça m'a vraiment touché que naturellement, pour un patron, c'est une question qui peut être abordée dans l'entreprise. Voilà. Véronique, une dernière question, puis après, si vous avez envie de rajouter un point les uns ou les autres, et puis sinon on reviendra avec Mgr Levert sur la fin de cette soirée, puisqu'il est 20h05, ça fait une heure qu'on est ensemble. Une dernière question, alors, on l'a dit tout à l'heure, il y a le pardon, il y a plein de pistes positives, mais il y a aussi le conflit inévitable, c'est le numéro 237, et donc des fois il y a des difficultés qui se posent. Il y a une question qui est, voilà, comment accueillir comme un hôte dans le désert avec joie et amitié quand nous sommes 7 milliards sur Terre et que les migrants sont si nombreux? Je ne peux avoir 300 invités à déjeuner dans mon appartement de deux pièces. Alors, un conseil pour aborder cette question. L'accueil inconditionnel, oui, mais alors jusqu'où, si c'est inconditionnel? Alors, ça rejoint la question de tout à l'heure sur quel chemin de foi ça nous a cette encyclique. Ça nous invite d'abord à relire la parole de Dieu, par exemple, Maritain, on s'aperçoit que c'est inépuisable, et puis tant d'autres encore, donc se fonder sur la parole de Dieu. Il nous invite à faire des petits gestes. Le pape le répète plusieurs fois aussi. Alors, il nous invite à des grandes réformes, à la base, à revenu universel, à des choses très, très compliquées, mais il nous invite aussi à faire des tout petits gestes. Pour l'accueil des migrants, c'est pareil, personne n'a dit qu'il fallait accueillir les migrants de la terre. Il faut des politiques migratoires, et d'ailleurs il y a justement des accords au niveau de l'ONU qui permettent de définir ce que pourraient être des politiques migratoires sûres et protégées pour ceux qui n'ont pas d'autres choix. Voilà, parce que le premier des droits dans la doctrine sociale de l'Église,
c'était dit de reprise. Le premier droit, c'est le droit de ne pas migrer, le droit de rester chez soi, de pouvoir nourrir, de vivre en paix dans un pays qui ne soit pas une dictature, de pouvoir cultiver sa terre dans une terre qui n'est pas brûlée par la sécheresse ou qui n'est pas brûlée par la famille. Donc voilà, c'est ça d'abord, le droit de ne pas migrer. Et puis pour ceux qui arrivent chez nous, ici, les accueillir à notre mesure. Bien sûr, on ne peut pas accueillir le monde, les accueillir à notre mesure, les accueillir collectivement. Le pape nous avait dit il y a quelques années, en 2015, accueillir en paroisse, accueillir une famille. Et on sait très bien que si toutes les paroisses de France accueillaient chacune une famille ou deux familles, le problème serait résolu. Donc faisons des petits gestes collectivement, en fraternité, en communauté, et déjà ça fera avancer beaucoup de choses. Merci. Est-ce que donc, nous pouvons peut-être retrouver Monseigneur Levert, directeur de l'Institut Pévernant, l'Institut diocésain de formation du diocèse de Bordeaux, qui a organisé cette soirée. Bonsoir, Monseigneur. Bonsoir. Vous avez suivi pendant cette conférence. Un mot de la fin ? Oui, d'abord un très grand merci à nos intervenants, et à vous, Jean-Michel, pour cette animation. Un très grand merci à tous les trois pour la hauteur de vue à laquelle vous nous invitez à partir de cette encyclique, et aussi à ne pas en rester à la culpabilité, mais à entrer dans l'espérance. J'espère que cette soirée donnera le goût à beaucoup de lire ou de relire l'encyclique. Je voudrais juste noter des points sur lesquels vous êtes venus, deux ou trois points. Vous avez bien évidemment lié, le pape le fait de façon incroyable dans ce texte, la fraternité au bien commun. Il cite, enfin, il emploie ce mot, il fait référence au bien commun 32 fois dans l'encyclique. Et donc forcément, c'est lié à la bienveillance. La bienveillance, c'est-à-dire voir, veiller, éveiller, rechercher le bien, éveiller au bien, une qualité, une vertu, j'oserais dire, dont notre monde a tellement besoin aujourd'hui. Cette bienveillance, vous l'avez évoquée les uns et les autres à plusieurs reprises. Je note aussi à quel point vous avez parlé, tous les trois, du réalisme de cette encyclique. On n'est pas dans des grands concepts, on est dans quelque chose de bien concret. Les causes de la perte de la fraternité sont extrêmement nombreuses. Le pape en énumère plus de 16 causes majeures. Et certaines de ces causes dépendent de nous. C'est-à-dire, elles ne sont pas seulement dues à des structures extérieures à chacun. Comme le disait Véronique, ce n'est pas seulement un problème politique, ce n'est pas seulement un problème de monde, il y a aussi des choses que nous avons à faire, chacun. Chacun est responsable de cette fraternité à son niveau, avec ses qualités, avec ses moyens, même si ils sont petits. On ne nous a jamais demandé, le Christ ne nous a jamais demandé de sauver le monde entier. Il n'y en a qu'un seul qui a sauvé le monde, hein, c'est le Christ. Nous avons à faire ce que nous avons à faire juste autour de nous, là où nous sommes. Chacun en est responsable de cette fraternité, et c'est un devoir, nous dit pas que de la promouvoir. Et pour les chrétiens, il dit même que c'est une mission. Mais une chose très importante, c'est que la fraternité n'est pas qu'un devoir. Elle est aussi une grâce. Elle nous vient du Père du ciel, notre Père commun, à tous. Pour ça, d'ailleurs, que nous sommes frères et sœurs. Hein, c'est parce que nous, chrétiens, nous croyons que nous sommes frères et sœurs, tous, parce que nous avons un Père commun. Elle nous vient du Christ, notre frère. Notre frère universel, notre frère à tous, et dans la force de l'esprit d'amour qui est à la racine même de la fraternité. Et donc, si c'est une grâce, nous avons à la demander dans la prière, pas simplement du volontarisme. C'est quelque chose qui vient aussi de Dieu, et nous avons à recevoir cette fraternité comme un cadeau de Dieu. Nous avons à la demander, à la recevoir comme un cadeau de Dieu. Bien sûr que la fraternité est un combat spirituel, mais c'est aussi une espérance. C'est une espérance, et nous avons à notre disposition, même si nous pouvons nous sentir tout petits face à ça, nous avons à notre disposition le trésor que nous propose la foi au Christ, le trésor de son évangile. Nous ne sommes pas seuls face à ce défi de la fraternité.
Voilà, je nous souhaite à tous d'être signes et artisans de fraternité autour de nous. Et si nous le saurons, quand nous le saurons, nous verrons à quel point cela peut être source de joie pour beaucoup et pas seulement pour nous-mêmes. Voilà, donc encore un très grand merci pour vos interventions. L'Institut Péberlan continuera à faire des soirées de ce genre. Elle propose aussi des formations multiples dans divers domaines qui sont actuellement proposées ou par visioconférence ou en e-learning ou par des cours qui ont été enregistrés, des sessions qui ont été enregistrées. N'hésitez pas à aller les chercher, il suffit d'aller sur le site de l'Institut et vous verrez comment vous y inscrire ou comment participer à ces formations qui sont toujours aussi un cadeau de Dieu, c'est toujours une grâce de savoir se former. Nous avons été plus de 70 à participer à cette soirée. Voilà, donc je vous remercie les uns et les autres, acteurs, intervenants, mais aussi spectateurs, bénéficiaires. Merci aux organisateurs, à la technique qui nous a permis, malgré nos conditions de confinement, de vivre cela. Je vous souhaite à tous une très belle montée vers la fête de la Nativité, une très belle fête de fin d'année, qui, voilà, seront, je l'espère, pour chacun d'entre nous, une fête d'une belle fraternité dans la joie de ce Dieu qui se fait enfant pour nous. Merci, Père. Merci. Et puis, du coup, justement, s'il vous reste encore quelques jours, et notre librairie diocésaine est ouverte à la Maison Saint-Le-Beaulieu. Donc, vous pourrez, pour initier des processus, voilà, vous offrir ou offrir effectivement cette encyclique du pape François. Merci beaucoup, Père. Merci à toutes et tous. Merci à tous. Bonne soirée. Thank you.